Bonjour à toutes et à tous, c'est Black Dragon en direction de la chaîne de Dexter. Donc, dans l'épisode précédent, nous nous étions fait attaquer de pleine face après avoir conquéri. J'ai oublié le nom de la planète, c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. Comment on fait pour savoir? Les boîtes Trivi, on l'avait attaqué, on avait gagné, malheureusement ils étaient repassés, ils nous l'avaient reprise. Donc, comme je vous avais dit, je le ferai tout seul. Je l'ai fait tout seul, j'ai regagné à nouveau. Et donc là, on va attaquer directement un gros méchant encore. On va attaquer Kerulea. Et la particularité, c'est que là, il y a leur héros qui est encore dessus. Donc, on va affronter Gorguts. Et ces deux escouades. Il a une escouade de. Ouais, de boys. Ouais, de mecs volants et puis de normaux. Donc on va y aller. Voilà. Je vais ajouter ma nouvelle unité que j'ai gagnée précédemment dans l'épisode. C'est-à-dire le mentor Kroots. Voilà. Et on y va. Donc là, pour le coup, je vais commencer avec deux unités au lieu d'une. Enfin, au lieu de. 2, j'ai commencé avec 3. Donc c'est-à-dire mon escouade de garde d'élite, mon mentor, mon commandant Wesca et mon petit robot quoi. Et bon, le petit robot je le compte pas comme une unité parce que c'est pas un combattant. Bon, tu veux bien lancer la bataille, il serait peut-être temps. Voilà. Alors, Kerulea. Encore deux attaques et on devra attaquer la base principale orc. Donc deux batailles et vous aurez la bataille finale contre Gorguts. Qu'on ne devrait pas croiser d'ailleurs dans cette bataille. Puisqu'il reste caché comme un vieux bougre. J'espère que pour vous les vacances se passent bien. Pour mon cas, bah, ça va, j'invite les copains et tout ça. J'ai vu dès que sort lundi, il se porte bien aussi, donc tout va bien. C'est bon. Commencez. Alors, Kerulea. Ok, c'est la map la plus grosse du monde. Prêt à faire notre part. J'aime pas du tout cette map. C'est comme si c'était fait. J'aime pas cette carte, mais bon. Faut la faire. Personne ne résiste au bien suprême. Je suis prêt à rejoindre les miens. Je comprends. Équipe de tir prête. Prospérez. Faut savoir que peut-être que avec Dexort on va tourner sur World of Tanks. On s'y est mis tous les deux, on s'est pas mal amusé. Les chasseurs solitaires sont là. Les technologies d'eau nous renforcent. À la base je connaissais pas. Maintenant que je connais, je suis assez content. Enfin, je suis pas un nul non plus, hein. C'est pas que je connaissais pas. C'est que j'avais jamais essayé en fait. Les chasseurs solitaires sont là. Mais maintenant que j'ai essayé. Ça m'a plu. On a fait 4 ou 5 batailles ensemble. Les chasseurs solitaires sont là. On s'est fait notre petite équipe à deux, on s'est éclaté. Et ma voix. J'ai plutôt apprécié. Donc, il est prévu. Enfin,
On va essayer de vous faire un petit game, un petit. Pas un let's play, hein, parce que forcément, il n'y a pas d'histoire dans World of Tanks. Mais il y aura peut-être quelques parties. Ah, me fait attaquer. Oula! Cours, 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 cours. Run for your life. Ok, bon bah il est mort. Là ils viennent de perdre leur héros principal. Bon, ils vont le racheter. Hein. Quand on le perd, on peut le racheter dans la caserne. Enfin, en fonction du camp. Comme par exemple pour les Nécrons. Eux, par contre, les Nécrons, c'est... Ils ont une base, ça fait tout. Toutes leurs unités sont produites dans la même base. Et cette base se déplace. À un certain niveau, bien sûr. Hein. Si elle se déplaçait dès le premier niveau... Elle est armée de canons de cheaté et tout ça, ce serait beaucoup trop abusé. Alors pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. On va continuer comme ça, hein. Ça se passe bien, faut en profiter. Faire en sélection 1. Et on va construire une caserne. De toute façon, à avoir les premières unités tôt. Voilà, ça c'est fait. On va rester comme ça en attendant que ça arrive à 225 là-haut. 227, c'est bon. Là. On va construire le petit centre de l'illumination. Pas galère à dire du tout. On va commencer à y aller. Il faut savoir que dans, voilà, c'est comme ça que j'ai gagné dans l'épisode précédent. Enfin, dans l'entrée épisode, pour regagner la carte de façon rapide, j'ai fait 5 escouades de guerriers tôt, là, comme ici présent. Je les ai améliorés au max et j'y ai été bourrin, si je puis dire. Et ça a pas mal marché, puisque j'ai gagné. J'étais content. Par contre, si jamais à la fin d'une bataille que je fais entre la caméra... enfin, entre les combats, c'est-à-dire une revanche. Si jamais mon... Enfin, je la filmerai pas, mais si jamais mon héros doit gagner quelque chose, je vous l'expliquerai dans l'épisode d'après. Ou alors, je vous le montrerai. C'est à vous de me dire, si jamais vous ne me le dites pas, je vous l'expliquerai dans l'épisode d'après. Ça règle le problème. Manska. On va attendre pour avoir le PC de Manska. Vous là, ça se passe comment? Ça se passe bien. Les chasseurs silencieux sont prêts. Et là, c'est le moment principal de mon attaque. C'est l'amélioration niveau max de toutes mes unités présentes sur le champ de bataille.
Déjà, c'est mettre leur nombre de troupes au max. Voilà. Leur rajouter des chefs. Là, il ne manque qu'un seul chef. Et hop, là, il est lancé. Maintenant, il ne va plus rester qu'à leur ajouter leur fuseur. J'en connais qui n'ont pas envie de me voir sur leur champ de bataille. Il y en a beaucoup sur moi, là, je trouve. En tout cas, ça les a pas aidés à gagner. Ils ont bien perdu comme des merdes. Ils étaient plus que moi, ils se sont retrouvés à moins. Fuck de logique. Ah, ils me cherchent. Plus qu'une escouade à 3 fuseurs et ensuite je lance mon attaque. Ce sera peut-être pas final par le fait que voilà, ils arrivent à détecter ma base et puis tu auras peut-être le gros mec qui sera là pour m'embêter comme à chaque fois. Mais c'est pas une cible très compliquée à attaquer. Faut savoir être intelligent et reculer, avancer, c'est super long et super chiant à faire. Donc en général, je m'y frotte pas et je fuis. Ou alors je m'y frotte, mais à ce moment-là, mon escouade entière crève. Ce que j'aime pas trop d'ailleurs. Alors. Bon, là, mon équipe est presque entièrement prête. L'ennemi tente de traverser mes lignes, mais il n'y arrive pas. Bien sûr, ripostez. Pourtant, il n'y a pas grand monde qui sont là. Alors, est-ce qu'ils ont pris le point rouge? Enfin, le point là. Oui. Donc, je vais le prendre. Par contre, à cette heure-là, mon héros, il va mourir. Eh ben, ils sont même pas arrêtés, eux. Ils sont barrés direct. Par contre, ils sont tous morts. Eh ben, ton ordre, ça va être de créer le PC de Monska, s'il veut bien. Allez. Sinon, sur Dawn of War, je vous invite à aller regarder les vidéos de Bob Lennon. Mais lui, dans son Dawn of War, c'est le Titanium, il me semble. Donc il a plus de camps et plus d'unités. Surtout plus d'unités. Parce que niveau camp, il doit avoir un ou deux plus de camps. Mais sinon, c'est vraiment overcrack. Alors, ah, ils cherchent à m'avoir. Ils veulent passer mes défenses, mais ils n'y arrivent pas. Oh, des Gretchkins. Ah, bah, plus de Gretchkins. Ah, bah, ils les ont laissés tomber. Bon, bah, laissez-les tomber, hein. Allez, on y va.
On y va tranquillement. Allez, on fonce directement à la base ennemie. On va pas attendre. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah. Ils ne verront pas la mort. Ils n'ont aucune chance de gagner. Élimination des cibles. Servir est un plaisir. Waouh, ça en fait des méchants. Ça en fait des méchants pas gentils. Je peux pas fuir. Oh les boules. Le groupe compte sur nous. C'est comme si c'était fait. Ah bah là je crois que je vais mourir. Paix à mon âme. Parce qu'il se trouve qu'ils étaient plus que moi cette fois-ci. C'est rare hein, mais là c'est arrivé. Donc là je crois que c'est le moment de ma mort. Je suis en train de complètement me faire niquer. Ça fait peur à voir. Les steaks, ils attaquent ma base, j'attaque leur base. Ah, ça fait du bien. Ils ont disparu sous les tirs bleus, c'est incroyable. Nous allons éliminer les cibles. Alors, oh bah d'accord, bon bah on va continuer à attaquer. Élimination des cibles, ils ne verront pas la mort arriver. Donc ils sont pas tous éliminés, faut que je les écrase. M'en fous. Ils ne verront pas la mort arriver. Aucun survivant, pas de quartier, pas de pitié. Élimination des cibles. Comme ça qu'on dit. Je crois que ce point-là c'est fini. Non, c'est pas fini. Le devoir nous appelle. T'es vu. De toutes les armes. Pour tout. Hop là. Ils n'ont aucune chance de gagner. Feu de toutes les armes. Chassoui, le devoir nous appelle. Continue la promenade. Waouh, il va pas être facile à éliminer ce joueur comme c'est fait là parce que j'arrive pas à trouver son nouveau QG. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, moi, Chassoui, je vais chercher, je vais trouver et je vais le buter. Ces taches de sang, c'est pas beau à voir. Bon, bah on va y aller au Barracuda.
En y allant au Barracuda, on aura peut-être des réponses. On sera plus rapide. Niveau déplacement, je pense que ce sera mieux. En attendant, je trouve pas. Champ furtif, pleinement actif. Allez, cours, 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 cours. Ah, des Gretchins. Ah bah, plus de Gretchins. Bon alors du coup, le chemin c'est par là. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. On va trouver, on va terminer l'épisode. J'ai envie de le finir. Et mince, le v'là, le gros mec. Faut aller qu'il soit là. J'ai trouvé leur base de spawn du coup. Rapide, ça me va. Emmenez-moi votre base, allez-y. Je vous suis. Voilà. Nous allons éliminer les cibles. Ils n'ont aucune chance de gagner. Feu de toutes les armes. Feu de toutes les armes. Ils n'ont aucune chance de gagner. Ah bah j'ai fini. Bon, voilà les amis, j'ai gagné, au final j'étais bien, donc on va se retrouver dans le prochain épisode. Là faut savoir que j'ai gagné une unité de stealth dès le début, donc un chef de stealth, ce sera pas mal au niveau des attaques. Ça fait une victoire de plus, donc prochain épisode, une autre bataille orc. L'épisode d'après, non, une bataille orc ou marines, je verrai. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont sur le même territoire. Je sais pas trop quoi dire de plus. Pensez à mettre des commentaires parce que j'aime bien savoir. J'aimerais que ce jeu se dépêche un petit peu. Allez, bouge-toi derrière. J'espère avoir gagné un nouvel objet, ce serait bien. Ah, eh ben non, juste une équipe de stealth vétérans. Bon bah du coup, voilà la carte. Prochaine fois, on va attaquer les Space Marines sur les Skerries pour gagner une équipe de frelons. Pas de soucis. On va faire fin de tour. Allez, on fait fin de tour. Alors. Les sabres battés attaquent les gardes de la GI. Bah, elle a pas gagné.
s'auto-résoudre, attention, est-ce qu'ils vont me la reprendre? Et non, ils ne l'ont pas reprise, ils ont perdu. Donc maintenant, hop, j'aurais pas ça à faire en off. Vous avez vu, c'était la même bataille que l'autre fois, là, qui m'ont attaqué. Bon, bah du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus tout le monde, j'espère que vous regardez, et puis, bye bye.